Salut la team, Oussem Aouar, un talent gâché, est-ce dû à la mauvaise gestion de son profil? S'est-il perdu? On en parle tout de suite, t'es sur JS Team OL, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez c'est parti, let's go! Pourquoi un talent gâché? Car pour moi, Oussem Aouar a énormément de qualités. Déjà techniquement, il est bon, il a cette facilité à casser les lignes, à orienter le jeu, il a une bonne vision du jeu, il marque aussi des buts parfois. Après, oui, je sais, tu vas me dire qu'il est pas bon ces derniers temps. Et c'est là que tu te dis que le football est cruel et que ça va très très vite. Dans le sens que hier, ça faisait 2 ans jour pour jour que l'Olympique Lyonnais jouait le Final 8 de la Ligue des Champions. Là où Oussem Aouar a joué un rôle majeur dans cette épopée. Où il avait notamment été nommé homme du match juste avant contre la Juve de Cristiano Ronaldo. Et maintenant, aujourd'hui, d'entendre qu'il devrait partir à Nottingham Forest ou ailleurs pour la somme avoisinant les 10 à 15 millions d'euros, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi, mais pour moi, c'est du gâchis. Dans le sens qu'il a du potentiel à exploiter. Aujourd'hui, il n'a que 24 ans et il a déjà une expérience du haut niveau. Maintenant, pourquoi il en est arrivé à faire des performances aussi moyennes ces derniers temps? Moi, perso, je pense qu'on l'a perdu petit à petit mentalement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je m'explique. Déjà, faut savoir que Oussem Aouar a connu 2 voire 3 politiques différentes du club. Dans le sens que quand il intègre le groupe professionnel, le club mise beaucoup sur ses jeunes, et Lacazette, Tolisso, Umtiti, etc. Par la suite, le club va les vendre et va commencer à acheter des Mariano Diaz, des Memphis Depay, des Marsal, des Marcelo, etc. Et du coup, va donner moins d'importance aux jeunes du centre de formation. Ça s'explique aussi par rapport au brassard de capitaine. Au départ, c'était Umtiti, voire Gonalon à l'époque qui était capitaine. Ça s'est transmis à Lacazette, puis à Tolisso quand Lacazette était absent, puis à Fekir. Et après, le brassard a changé de bras. Il y a également les rumeurs de transfert. Il devait normalement partir à Liverpool pour 70 millions ou à Manchester City ou à Arsenal. Au final, ça s'est pas fait. Ça l'a perturbé tout ça. Plus le choix de la sélection nationale, il hésitait entre la France et l'Algérie. On sait très bien que pour les binationaux, dans son profil, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup, ça va parler, ça va faire des polémiques, etc. Je pense que tout ça, ça l'a touché. Contrairement à Nabil Fekir, qui je pense pour moi est plus fort mentalement qu'Oussem Aouar. Après, chaque personne est différente. Mais c'est là que tu vois que dans le football, il y a 3 choses essentielles. C'est le physique, la technique et le mental. Et c'est là que tu vois que quand t'as pas le mental, ça joue beaucoup sur tes performances. D'ailleurs, ça revient au goût du jour. Il devrait sûrement intégrer l'équipe d'Algérie d'après ce qu'on entend dans les médias. Ce qui prouve qu'il a quand même pas mal cogité. Maintenant, j'attends de voir comment va évoluer son cas. Perso, moi, je l'aurais prolongé tout en l'entourant pour lui redonner de la confiance et lui remettre la tête à l'endroit. Après, maintenant, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.